Bonjour. Dans cette vidéo, il sera question du leitmotiv. Nous allons commencer par expliquer ce dont il s'agit, puis nous verrons comment il est utilisé, d'abord dans l'opéra, puis aujourd'hui dans la musique de film. Leitmotiv est un terme qui vient de l'allemand, qui se traduit par motif directeur. Un motif, c'est une petite phrase musicale, ça peut être un thème, un enchaînement d'accords, voire un rythme. Le principe du leitmotiv, c'est qu'on va attribuer un motif musical à un personnage, une situation, un lieu, un objet, etc. À l'aide du leitmotiv, la musique va pouvoir raconter une histoire. Prenons un exemple pour que vous compreniez. Imaginons que cette mélodie est le leitmotiv du héros. Dans l'histoire que raconte notre musique, chaque fois que le héros va apparaître ou va être évoqué, on entendra ce leitmotiv, cette mélodie. Imaginons à présent un autre leitmotiv, celui du feu. Chaque fois que dans notre histoire quelque chose brûlera, on entendra ce motif. Maintenant, imaginons que notre héros, le chevalier, est en train de brûler. On va alors entendre le thème du chevalier, mélangé à celui du feu. Vous voyez, c'est très pratique, parce que sans avoir besoin de paroles, la musique raconte une histoire grâce au leitmotiv. C'est Richard Wagner qui va populariser l'utilisation du leitmotiv. Richard Wagner, c'est un compositeur allemand qui a vécu au XIXe siècle, qui est célèbre pour ses grands opéras, Tristan et Isolde, La Valkyrie, Parsifal, etc. Un opéra, c'est une pièce de théâtre en musique, il y a donc une histoire. Et l'idée de Wagner, c'est que la musique, elle aussi, raconte cette histoire à l'aide des leitmotifs. Voici un exemple avec le thème de la Valkyrie. Les Valkyries sont 7 déesses guerrières dans la mythologie nordique. Dans son opéra La Valkyrie, Wagner leur associe ce leitmotiv. Au début de l'acte 3 de l'opéra, on voit toutes les Valkyries arriver sur scène. Écoutez la musique, vous allez reconnaître le leitmotiv de la Valkyrie. Ce leitmotiv réapparaît à la fin d'un autre opéra de Richard Wagner, Le Crépuscule des Dieux, où on retrouve une Valkyrie qui se jette dans le feu. Écoutez bien la musique, vous allez reconnaître le leitmotiv qui n'est ici pas joué en entier mais suffisamment pour qu'on le reconnaisse. Aujourd'hui, le leitmotiv est très utilisé dans les musiques de films ou de séries. Comme dans l'opéra, il va être rattaché à un personnage, un lieu, une action. Vous connaissez tous certains leitmotivs célébrissimes. Celui de Hedwige dans Harry Potter, celui de James Bond, celui de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, et celui de Dark Vador dans Star Wars. Pour reprendre l'exemple de Dark Vador, lorsqu'on verra le personnage à l'écran, le leitmotiv sera intégré à la musique. La musique peut même donner des informations en plus de ce qui est à l'écran. Dans cette courte scène, vous allez entendre le leitmotiv de Dark Vador. On ne le voit pas, mais grâce à la musique, on devine qu'il est présent dans le vaisseau. Pour conclure, on retiendra qu'un leitmotiv, c'est un motif musical qui va être attribué à un personnage, un lieu ou une action. Il est popularisé dans le milieu de l'opéra par Richard Wagner et se retrouve aussi au sein des musiques de films.